Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmec pour une nouvelle partie, la troisième je crois, de Isaac Rebirth. La dernière fois nous avons battu le cœur en étant Isaac. Ça fait plaisir. On avait débloqué pas mal de choses. On avait débloqué Kane, débloqué Azazel, Lazarus on l'avait déjà, et Eden. Lequel allons-nous prendre aujourd'hui? Random! Allons-y gaiement. Le jeu choisit pour nous Lazarus. J'aime pas Lazarus. Bon. Lazarus, qu'est-ce qu'il a? Il a 3 cœurs rouges, il a une vie en plus, il a une pilule de départ, qui était pas une bonne. Et c'est parti. Autrement, il ressemble pas mal à Isaac au niveau de ses statistiques. Je crois qu'il est juste un... Je sais même plus s'il est un peu moins fort. Il est pas... Tout ce que je sais, c'est que je l'aime pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas Lazarus. Je n'aime pas Lazarus. Je n'aime pas, c'est tout. Et j'aime pas non plus me jeter sur les ennemis comme un pauvre con. Non mais c'est pas vrai. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas à ce rythme-là que je vais débloquer Samson. Samson qui consiste à ne pas se faire toucher dans 2 étages consécutifs. Deux étages consécutifs dans une même partie. Mais sans... Oh, le lait de soja. Ah, le lait de soja. Vous prenez vos dégâts, vous les divisez par 30 milliards. Votre cadence de tir, vous la multipliez. Voilà, des dégâts ridicules, mais une cadence de tir infernale. Ça peut avoir quand même pas mal de bonnes synergies. Le truc, c'est qu'en l'état, c'est pas génial, génial. Un caillou marqué que je ne pourrai jamais atteindre. En l'état, c'est pas génial, génial. Mais bon. Mais bon. Ça va pas le faire en fait. Ça va pas le faire. Il me faudrait des hausses de dégâts assez importantes en fait. Encore, je sais pas si ça suffirait. Si, quand même. Histoire de combler un peu ce caractère complètement daubé. Le duc des mouches. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Faut aimer les mouches. Faut aimer les mouches. Et le truc, c'est qu'avec mes dégâts lamentables, même les mouches deviennent des vrais dangers. Regardez le nombre de tirs qu'il faut que je fasse sur une mouche pour la tuer, quoi, sans deck. Attends, c'est pas vous que je veux, c'est le duc. Faut que je blesse le duc, sinon il n'arrêtera pas d'en spawner. Mais ça va, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va, lui il m'a pas touché. Moi je le touche un peu, il m'envoie tout un essaim à la gueule, c'est pas génial. C'est bon, elle reste à distance et j'arrive à la voir, donc... C'est une épreuve d'endurance. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Allez-vous-en. Allez-vous-en. C'est dans ces cas-là qu'on va avoir le scatol. Le scatol, l'amour des mouches. On veut avoir l'amour des mouches dans ce cas-là. Le scatol qui peut nous être donné par le joueur de Bonto dans les salles d'arcade. Vous savez, le type avec les 3 crânes et... Il y a trop de mouches. Il y a trop de mouches. Il y a trop de mouches. Ah, m'a touché. Une mouche m'a touché. Ah. Va-t'en. Va-t'en. Voilà. Voilà. Plus qu'à tuer les mouches. Oh mon dieu. Je suis dans la merde. Lazarus, tu pues. Oh. Ah, allez, la cave, numéro 2. Les petits biches. Biche, c'est un ennemi, c'est une variante de Monstro 2, je crois. On a pas encore rencontré Monstro 2. Je sais plus. C'est un boss avancé, c'est un boss qui est plus beaucoup plus tard. C'est la variante gentille, ça, c'est les petits gentils. Allez, cochonou! Va me donner du pognon. Tu peux faire en sorte que je peux acheter des bons trucs, moi ça me va. Va-t'en! Va-t'en! Pourquoi j'ai pris le lait de soja?
Parce que par principe, je prends les objets qui me sont donnés. Oh, quel principe de merde. Oh, le crâne maudit. Bien. Enfin, bien. Si je me fais toucher... Alors, attends, voir. Le crâne maudit, si je me fais toucher alors que j'ai un demi-cœur rouge... Il me téléporte dans la salle précédente. Aïe, un demi-cœur rouge. Il me semble que c'est ça. Mais je me prends quand même les dégâts. Ok, est-ce que je me prends quand même les dégâts? Je suis pas sûr, non. Ça peut être une sécurité, ça peut être pratique, mais... J'ai du pognon! La prise de courant. Si j'ai un item entièrement déchargé, je peux activer la prise, ça va me prendre de la santé pour le recharger. Non, merci, je préfère faire des dents. 40 pièces, on n'obtient rien. Ok. Prochain, ça doit être 50. Ah. Où est la salle au trésor? Là, c'est le boss. Où est le trésor? Le trésor. Le trésor. Où es-tu? Où es-tu? Aïe! Saleté de soja. Saleté de soja. Oh, plein de pognon. Plein de pognonance. Pourquoi j'ai dit ça? Encore des dons, allez. Hein, encore une. Hop là. Mais si j'ai déjà la salle au trésor, je suis trop con. C'est le piggy que j'ai récupéré. Oh, c'est pas vrai. Je suis mauvais. Monstro. Eh merde! Merde! Avec des tirs minables, il a fallu que je tombe sur le monstre qui a ta sac à PV. Le boss sac à PV, quoi. Ah, je vous jure. Allez, va-t'en. Va-t'en. Monstro. Monstro, t'as été abandonné à la naissance, toi, vu ta tête. Bon sang. Ben sinon, pourquoi tu serais dans la cave de chez moi? Arrête de me renifler dessus! Arrête! Ouhouhou, il a failli me toucher. Allez, va-t'en. C'est bon, je m'en sors là. C'est bon, ça va le faire. Ça l'a fait. Des cœurs, des cœurs. Et les talons de maman. T'as bien raison. Plus de portée. Allez, zou, suivant. Ah, la montre est devant moi. Hein. Pas comme ça que je vais réussir à atteindre le rush. Hein. Mais bon. Un cœur rouge de plus. Super. Non, va-t'en. Saleté de soja, même les mouches deviennent dangereuses. Ah, c'est des trucs ridicules normalement, les mouches. Mais arrêtez. Dégage. Allez-vous-en. Je parle des mouches normales, hein, des petites mouches basiques, pas celles qui nous tirent dessus. Elles de base, c'est un danger, c'est normal. Des attaques à distance. Mais même celle-là, quoi, même celle-là. Oh, saleté. Encore. Allez, va-t'en. Va-t'en. C'est bon. D'abord les spawners, ensuite les mouches. À la mesure du possible. Va-t'en. C'est bon. Plus que du nettoyage. Là, par contre, je peux affirmer sans problème que je n'ai pas encore trouvé le trésor. Oh, arrête de me péter dessus, toi. Oh, espèce de gros. Bouffe mon soja. Bouffez du lait de soja. Ça va vous faire mal. Allez. Allez. Voilà. Ok. Bon. Et ben. Ah.
D'accord, il me touche pas avec sa larme, mais je lui fais un câlin. Est-ce que je suis neuneu? Pas besoin de réponse, je connais la réponse. Question rhétorique. D'accord, les vers bleus, c'est pas les plus gênants. Parce que leurs tirs, on les connaît, quoi. Ils tirent toujours de la même façon, c'est pas un souci. Par contre, les vers blancs. Les vers blancs. Eux qui nous visent. C'est gênant. Ah ah, des mouches. Des mouches explosives. Allez, exploser! Ailleurs! Loin de moi! Loin! 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 Mais exploser, bon sang! Voyons le bon côté des choses, ils peuvent pas se régénérer. Donc tous les tirs que je leur fais, c'est forcément de la santé en moins. Hein, pas de plus vers la mort pour eux. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Et... Voilà. Bon sang. Pas de salaud trésor ici non plus. Je l'ai donc loupé. Donc là, ça va être un vrai problème. Il a fallu que je prenne du soja. Nickel. Il a fallu que je prenne du soja. Bon, ben, j'aime pas le soja. Je crois que ça se ressent depuis le début. Bon, le bon côté de la chose, c'est que plus on les tue, enfin, quand ils se réaniment, ils demandent moins de coups pour être à nouveau mis sous forme de tas de chair. Ça, c'est un bon point. Le mauvais point, c'est qu'ils n'arrêtent pas de m'enlever de la santé depuis tout à l'heure. Ça commence à m'agacer. Allez. Allez. J'en ai pas tué un seul, hein. J'en ai pas tué un seul, quoi. Ah, enfin un. Pas trop tôt. Putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais je vous en supplie. Par pitié. Par pitié. Mais comment j'ai fait pour tuer les trois précédents? Mais arrête de te foutre de ma gueule! Mais ils se reforment en entier à chaque fois! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Ah, c'est le crâne! C'est le crâne qui m'a fait ça! Bon. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. La deuxième vie. La deuxième vie de Lazarus. La deuxième vie de Lazarus. La deuxième vie de Lazarus. C'est lamentable. C'est lamentable. Oh mon dieu. Bon, ben je me prends quand même le dégât en fait. Et. Oui, en même temps, c'est normal. Si je me le prenais pas, ce serait synonyme d'immortalité. Et j'ai qu'un seul cœur. Bon. Je vais pas se pouvoir. Bon, là, cette salle-là, par contre, je m'en sors. Y a pas trop de soucis, hein. Il représente aucune menace pour moi. Par contre, je pense pouvoir affirmer sans trop de mal que c'est foutu. Mais sans deck. Une pilule éventuellement. Tu parles. Allez, 50. Des options, super. Donnez autant que je peux. Autant que je peux, allez. Elle accepte vraiment beaucoup d'argent. Hein. Elle accepte vraiment beaucoup d'argent. Bon.
C'est la fuite! La fuite! La fuite! La fuite! Non, pas la fuite! J'aurais pu sortir en... C'est bon. J'aurais pu sortir en... Comment? En faisant sauter la porte avec... Non! L'arrêt explosif! Avec une bombe, disais-je? J'aurais pu. Mais je refuse. Je veux la salle au trésor. Elle est donc par là. Elle est là. Oh, des bombes de feu. Mais comment tu veux que ça m'aide? Non, non, pas les mouches. Non, pas les mouches. Pas... Pas les mouches, 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 pas les mouches. Allez, 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 c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un demi-cœur? J'en ai qu'un seul, il est plein. Sachant que si je me fais toucher, le crâne me... Ok. Le crâne, tu dégages. Voilà, tout simplement. Bon. Je vais quand même tenter le boss. Mais... mais je crois que c'est une perte de temps. Donc, méga fatigue, en plus. Ah bah t'as bien raison. T'as bien raison, un méga gros. Allez, vas-y, bouffe-toi ça. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Va sur le feu, va sur le feu, va sur... Va sur le feu, mon sale. Va sur le feu, mon sale. J'ai réussi à le tuer. Je ne m'y attendais pas vraiment. Shot speed up. Je vous avoue très sincèrement que je ne m'attendais pas à le tuer. C'est... Là, c'est juste du YOLO. C'est... Non, c'est juste du YOLO. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre que du YOLO cette partie maintenant. Je suis en sursis. On va se dire ça comme ça, je suis en sursis. Parce qu'avec un seul cœur à ce stade du jeu, c'est pas simple. Mais bon. Mais bon! Ça pourrait être. Je pourrais être sauvé grâce à ça, mais. Encore faut-il survivre? Encore faut-il battre le prochain boss? Encore faut-il l'atteindre? J'ai endommagé autant que je peux comme ça, simplement, ça va être très lent, peu efficace, mais ça marche. Ça marche petit à petit. Hein. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Voilà, douce. À force, je vais bien réussir à la... Et tu es. Allez! Bon, on va s'approcher un peu. Oh, il s'est pas passé loin. Allez, bon sang! Lucas, Lucas, on dirait. C'est bon! Fichtre! Oh merde! Bon, c'est la mort! C'est la mort! C'est l'heure du décès! C'est pas l'heure du décès? Si, c'est l'heure du décès! C'est pas l'heure du décès? C'est pas l'heure du décès! C'est pas l'heure du décès! Non mais! Bon. Alors. Je sais que normalement je devrais le prendre après, etc. Mais là je suis un peu trop just. Ça pourra toujours permettre d'absorber un coup. Sautez de moi. Sautez de moi.
et on évite les pointes, hein, ce serait très con. On veut se faire avoir par ça. Allez, oula, oula, oula. T'es pas vers moi. C'est bon. Mais ça... Si c'est l'un des infestations qui s'active, si je me fais toucher, il sert à rien. On est bien d'accord. Je serais d'avis d'aller directement tout droit, sans même s'occuper de ces villes gredins. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est bon pour les mouches. À vous maintenant. Allez, allez, allez. C'est de la survie. Mais je vais m'en sortir, peut-être, peut-être pas. Oui, apparemment, c'est une infestation. Il faut que je sois touché. Ok, ça s'active. C'est fort dommage. Il y a aussi des variantes d'infestation qui s'activent quand on touche un ennemi. Quand on... Pas quand on touche. Pas quand on touche, quand on tue un ennemi. Ah ben là. Ah ben là. Ah ben là, par contre. Moi qui pensais pouvoir acheter un... Acheter je ne sais quoi, d'ailleurs, quand on y réfléchit. Là, par contre, ça va pas le faire. Hop. Oui, j'ai été touché. J'ai donc des mumuches. Eh ben, ça y est. Bon. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà, c'est décevant. C'est... C'est décevant. C'est décevant, tant pis. Tant pis, tant pis. Je trouve ça un peu court comme vidéo, alors je vais continuer. Je vais faire un autre... Vas-y, random. Avec Azazel, ah, ça devrait déjà aller mieux. Et le charme du vampire. Le charme du vampire ne fonctionne que si on a des cœurs rouges. Vous voyez Azazel ce qu'il a? Un bon petit laser, mais à une portée très courte. Ainsi qu'une carte de tarot de l'idiot. L'idiot qui ramène à... L'idiot de lâche, selon le contexte, permet de ramener à la salle de spawn de l'étage. Ça peut toujours nous tirer d'un mauvais pas. Ah. C'est pas en faisant ce genre d'erreur grossière que je vais réussir à avoir... Son sang. J'ai pas ramassé de cœur pour l'instant. Je peux essayer de ne pas ramasser de cœur du tout. Pour les deux premiers étages. Ça me donnerait accès à... À Eve. Allez. Mais bon, si je continue de perdre mes cœurs, ça sera pas génial. Le pentagramme. C'est bien. Très bien, ça, dis-toi. Allez, suivant. Un étage où j'ai pas ramassé de cœur, parce que simplement je ne peux pas. C'était une bonne raison. Ah, j'aimerais bien avoir deux bombes, voire trois. Trois plutôt d'ailleurs. Ce sera mieux là. Parce que cette porte-là, on peut l'ouvrir qu'en la faisant sauter avec deux bombes. Ah, en voilà déjà une. J'avais deux autres. Pourquoi deux? Parce que généralement derrière, il y a un petit truc auquel on peut accéder qu'en utilisant une bombe. Ça ne me sert absolument à rien. Je vais bien ramasser, mais ça me sert absolument à rien. Du tout. Du tout, du tout. Ça me permet de regagner un cœur rouge à chaque utilisation. Encore faut-il avoir un réceptacle à cœur rouge. Ce n'est pas mon cas. Ah, les bombes que je voulais. Super. Donc ça ne me sert à rien du tout comme item. Bon. Une bombe. Deux bombes. C'est bien ce que je pensais, la chambre d'Isaac. Avec une pilule cachée derrière. Range down. Magnifique. Alors, une bombe sur le tapis. Fesse.
Une trappe avec une échelle. Et c'est le signe astrologique de la balance, ça. Oh, ouh, ça a l'air d'être un super truc. La balance équilibre nos statistiques et nous donne 6 exemplaires de pièces, bombes, clés. Et là, ça a beaucoup augmenté. Attends, on va voir mes stats. Non, c'est à peine très équilibré. Ça a pas mal augmenté ma portée. Je vais aller dans le lit. Alors, je ne sais pas si ça compte comme le fait de prendre des cœurs. J'espère que non. Oh, ça devrait. Tant pis. Quand on a aucun cœur rouge, ça nous donne des 3 cœurs gris à la place. Et si on a des cœurs rouges qui ne sont pas pleins, ça nous les remplit en fait, ça nous remplit. Mais... Hein, mais là... Très content d'être tombé sur la balance, je pensais pas que ça aurait cet effet. Bon par contre, vu que ça a augmenté ma portée, il faut pas se leurrer, ça a diminué les dégâts. Hein, parce que les dégâts d'Azazel sont de base très élevés. Mais je pense que ça peut être un bon équilibre. D'autant plus qu'il me faut, je vois, il me faut relativement, il faut vraiment peu de temps pour charger le tir. Donc c'est très appréciable. C'est très appréciable. Allez monstro, mon gros. Pas bien, monstro. Pas bien, monstro. Méchant, monstro. Et celle du diable. Plus de dégâts. Enfin, plus de dégâts. Selon ce que la balance veut que augmenter à la place. Si tout est équilibré. Deux pilules. Ah, alors la tête de chèvre, qui assure des contrats avec le diable. Si j'ai jamais de cœur rouge, ça coûtera toujours 3 cœurs gris. Ça coûte très très cher. Je vais faire augmenter mes dégâts. Oui, j'ai plus qu'un seul cœur. Énergie 48 heures, je m'en fous. Moins de vitesse. Feu. Bon, bah, continuons. Continuons. On aurait peut-être pas dû prendre cet item. Ah, j'ai quand même débloqué Eve. Super. Faudrait quand même plus de cœurs, hein. Plus de cœur, ce serait très appréciable. Allez, on essaye. Un pognon et une... Zut. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant que Eve est débloquée, je vais pouvoir ramasser tous les cœurs que je croise. Enfin, voir. Si j'en suis physiquement capable, je les prendrai. Deuxième vague. Là. Peut-être bien que la balance va m'aider pour cette run. Ah zut. Elle pourrait peut-être bien m'aider, ouais. L'envie. Oh, j'en ai marre de te voir, toi. L'envie. J'ai plus envie de te voir. Lol. Amusement. Amusement ridicule. Honte. Voilà. Ce qui m'énerve le plus, c'est que l'item activable que j'ai ne me sert absolument à rien, quoi. C'est... Ça m'énerve. Mais ça non plus, ça me sert à rien. Oh. Allez, un truc utile. S'il vous plaît. Du pognon, oui, pourquoi pas. Ah, salle d'item. Salle au trésor. Bien. Un truc. Ah, un cœur gris, super. Tout un touch. Si on me touche, je pète. Allez, un truc utile, s'il vous plaît. Ce machin-là, tu dépenses une pièce, il fait un petit peu de dégâts à tout le monde. Ça ne m'intéresse pas. Je vais faire investir.
Vestir mon fric. C'est combien le prochain palier? 100? C'est ta faute, marchand. Oh, salle secrète. Bon, les araignées m'emmerdent. Je sors, je rentre, elles sont plus là. Oh oh! Le 2 de cœur. Voilà, il m'a servi à rien. Le 2 de cœur. Oh, il remplit vos conteneurs rouges avec le double de cœur rouge que vous avez. Bon, dans les faits, admettons que vous avez 3 conteneurs de cœur vides. Enfin, 3 conteneurs de cœur rouge au maximum. Vous avez un cœur rouge, bah, ça fait x2. 2. Si vous avez, je sais pas, 3 conteneurs de cœur, 3 conteneurs maximum et que vous avez 2 cœurs rouges, ben 2 x 2, 4, donc ça va simplement vous rendre toute, votre santé, sans rien faire de plus. Ah, on va essayer de trouver la salle super secrète. Je soupçonne qu'elle soit là. Yes. Un cœur blanc. Je prends. Ça permettra d'en avoir enfin un cœur rouge. Et de rendre mon item activable à peu près utile. Bip! 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 Caillou! C'est bien de pouvoir voler, hein? Azazel qui vole par défaut. Bip! Seul truc, c'est ses yeux qui eux peuvent passer au-dessus des cailloux. Mais autrement. Bip. Autrement, ça va nickel. Safety pin. Plus de démons. Ah, merci Satan. Merci Satan de me donner plus de cœur. Le bébé fantôme ne m'intéresse pas. Merci bien, mais il ne m'intéresse pas. On continue. On continue. C'est comme ça que je vais faire le format de vidéo. Soit une partie dure assez longtemps. Assez longtemps, je considère que c'est une demi-heure. Soit c'est pas assez, à ce moment-là, il y en a deux. Et si c'est toujours pas assez. En fait, je fais des parties entières jusqu'à ce que je dépasse une demi-heure. Et... et puis voilà, ça ira très bien. D'autres cœurs noirs, gratos, merci. Zut. Hey, trollbombe. Ah, il y a un trou, tu peux pas m'atteindre. Bon. Là, on encercle une salle. Peut-être que c'est une salle autre secrète. C'en est pas. C'est pas grave. Mais ça... Oh. Je m'en veux. Est-ce que ce serait ce que je pense? L'œil maudit. Ouais. Je sais plus comment ça interagit avec Brimstone. Pas avec le brimstone, avec... oui, ce que j'ai. Peut-être que ça augmente les dégâts. Auquel cas, ça a augmenté toutes mes stats. Ah, ça va pas. Fallu que je me fasse toucher. Non, mais ça a pas l'air mal. Ah, par contre, va bien falloir que je les approche si je veux pouvoir. Tears up! Ouh! L'avarice. Ah. J'en ai marre. Tiens. Vengeance. Est-ce qu'il y a des cailloux marqués? Je fais pas assez attention de savoir s'il y a des cailloux marqués ou non. Pourriez-vous mourir? Merci. Dégage. Ok, ok, ok. Aïe. Voilà, il en reste qu'un. C'est bon. Ok. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut.
Gurdy, j'en ai marre de Gurdy, donnez-moi autre chose. Donnez-moi autre chose que Gurdy. J'aime pas Gurdy. Va-t'en. J'aime pas ta gueule. Et ne me gêne pas si j'ai pas assez de santé, enfin de si j'ai pas de manque de santé, voyons. Du jus de Jésus, wouhou ! Plus de dégâts, plus de portée. Et donc la balance qui s'arrange avec ça. Ok, suivant. Je suis devant la montre, je suis devant la montre, c'est possible. On peut le faire. Ah bah si j'ai accès au boss rush, je le fais, hein. Surtout avec Azazel. Surtout avec Azazel. Bon, il a juste une portée un peu... Elle est déjà meilleure que sa portée de base. Oui. Mais ça pourrait quand même être mieux. En trouvant le vrai Brimstone, par exemple. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Caillou marqué... Non. La salle à pointe, elle m'intéresse pas. Pilule. Énergie 48 heures. Si j'avais un meilleur item, pourquoi pas, mais en l'état, non. Le Penny Prout de cœur. Allez, fifou! Soyons fifou! Et bébé mort! Et hop là! Ouh, des sauteurs! Amusons-nous avec les sauteurs! Ok! Ok! Bon bah très bien! Le Bud Penny, je suis pas très fan, mais bon, faute de mieux. Caillou marqué par là? Pas l'impression. Pas l'impression. Peut-être que j'ai le pain. Et ben voilà, ça c'est fait. Voilà, je me retrouve de nouveau en état de santé précaire, hein. Et une carte de tas. Ah. Une bombe. Bombe. Oh, l'empereur. Oh, l'empereur, allez affronter directement le boss. On est à quel niveau, là? Profondeur 1. On va d'abord trouver la salle au trésor. Elle n'est pas ici. De caca. Et spawn plus de cœurs. Ouais. Quand il y a un drop, il y a plus de chances que ce soit un cœur rouge. Je vais bien. Dans mon état actuel, ça ne sert pas à grand chose, mais pourquoi pas. On aura peut-être son utilité après. Bon, sérieusement, la salle au trésor, elle vient quand? Oh, les lasers, on se calme. Et zut, il a fallu que je reste sur son chemin. Et toi? Ah, il reste encore lui. Et... Ça, c'est le boss, c'est pas le trésor. Où est le trésor? Où est le trésor? Que c'est comme tout à l'heure, je crois ne pas avoir trouvé le trésor que j'ai déjà ramassé. Non, hein. J'ai vérifié au cas où. Je... Bon. Bon. Alors, il est là. Toujours pas. Bon, là, il y a des fantômes. Je déteste. Voilà. Admettons. Ah, enfin.
Enfin! Oh! Scorpion! Poison! 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 Bon, ça se voit pas là, mais il y a du poison. Ah, la carte. Mais qu'est-ce que tu veux que je fous d'une carte? D'accord, je prends la carte. La carte sera visible maintenant. Allez, l'empereur. The Cage. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Poison. Poison. Elle a été touchée quand même. C'est fait. Poison. Et ben voilà. Allez, encore deux coups et je meurs. Encore un coup et je meurs. Ah ben là, encore un coup en fait. Ah ben là, j'ai pas été très doué. Encore deux coups. J'ai pas été très doué sur ce coup là. Sur cette dans cette vidéo, dans... Ah non. Mais de toute façon, c'est ça Isaac, hein. Des jours avec et des jours sans. Et ben ça y est. Des jours avec et des jours sans. Tant pis. Eh ben, ce sera pas pour aujourd'hui. Ce sera pas pour aujourd'hui. C'est pas bien grave. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut.